Ah, là, je vais me concentrer sur la justice, aux petites créances. Les juges protègent la fraude, la corruption, falsification de documents, les parjures. Vous allez voir, c'est très bien expliqué dans les liens plus bas, là. Plein de liens qui vont vous démontrer ce que c'est j'avance. Là, je vais faire juste un petit lien avec la haine de masse longée, là, parce que je vais avoir une autre vidéo qui va expliquer plus en détail pour la haine de masse longée, la fermeture, ce que les fonctionnaires font. Là. La haine de masse longée, c'est la corruption. Les fonctionnaires sont complices avec les politiciens sont complices des fonctionnaires. Vous avez plus pas notre vidéo là, à partir de 2004, ça a tout bien expliqué. Quand que je fais une offensive, ils répliquent les fonctionnaires, soit dans les médias, avec l'aide des politiciens, les politiciens les couvrent. Bon, vous donner un exemple, juste un petit peu vite, parce que c'est expliqué dans vos vidéos aussi, là. Environ 62 000 en redevance quand elle était en 2003, 52 000 en redevance en 99, 41 000, 45 100 en 2004, pour dire juste ceux-là, c'est les plus gros. Vous voyez que c'est très bien payé, là, que c'est très bien payant pour la cantine. Si tu mets 62 000 en redevance, ils ne font pas en cantine, il faut qu'ils mettent un gars de cantine ou une fille de cantine, là, de 6 h le matin à 9 h le soir, il faut qu'ils mettent un gars de ménage. Vous voyez, là, il faisait pas juste 10 000 pour, avec la cantine. C'est un chef d'affaires de 250 à 300 000. Richard Landois, le frère de Jules Landois, m'a dit, mai, juin, juillet, août, là, c'est à 2 000 et plus presque à tous les jours. Quand les autobus, ils passent, qu'ils en passent entre 10 à 15 par jour, là, puis un autobus qui décide de prendre de quoi dans le stop, là, ça vide la cantine, ça prend pas de temps. Que, à partir de 2010, ils ont fait une rémunération. Mais regardez la complicité comment les fonctionnaires fonctionnent dans leur tête. Tu sais, la fraude, c'est la spécialité des fonctionnaires, des magouilles. Là, quand ils ont voulu de faire la halle du côté Est pour faire préparer le pacotille, là. Premièrement, c'était Pékis, c'était le PQ qui avait sorti ça. Là, ils ont mis le bureau d'information pour, tu sais, quand le monde s'informe pour qu'est-ce qui se passe, ils l'ont mis à la porte d'Amauriti. François Guintal, il a même fait passer dans l'écho, le masque longé, comme quoi qu'il s'avait senti utilisé par le ministère des Transports. Il lui avait dit qu'il mettrait des pictogrammes, ils n'ont pas mis. Mais là, c'est sûr que le monde, ils ne savent pas que c'est là. N'importe quel débile va s'apercevoir que. Qui va avoir une baisse d'achat de 60 %, mais c'est pour préparer leur bagouille de donner de l'argent à leurs petits copains. En 2010, là, ils l'ont donné à 14 999 à Barabé. Quand moi, ils m'avaient refusé, j'avais réussi à les avoir et lui tendre des pièges pour passer à 6 000 en redevance en 2007, qu'ils me l'ont refusé pour le juger trop basse. Tu sais? Là, puis là, Barabé, il a gardé avec un an au lieu de trois, à cause de mes pressions, puis je le mettais sur le nez, ils ont refusé de me donner des documents en cours, là, de quoi je vous expliquerai ça dans l'autre. Là, c'est de la fraude, là, puis en plus, ils refusent de donner des documents publics pour protéger leur corruption en cours. Avec la complicité de juge, il faut le dire, là, parce que le juge, il est obligé de le donner ordre de me donner des documents qui étaient publics, là, qui auraient prouvé leur corruption. Puis ça préparait les choses en rémunération, là. C'est pour ça le 60 % de baisse d'achalandage. Il n'y aura pas d'information. Tu sais, ils manipulent les. Comment je vais dire ça? L'information. C'est ça, des fonctionnaires. Après ça, vous allez voir dans le bas de mon vidéo la requête du 28 juin 2016 qui met en évidence la partialité du juge dans l'audience du 23 juin. Après ça, vous allez voir aussi le lien, toujours en bas de ce que je vous dis, là, toujours un lien. Là. Le jugement complaisant analysé du 7 septembre 2016 par le juge Pierre Allen. Suite à ce jugement complaisant, le ministère des Transports réplique avec le reportage suivant.
Reportage TVA le 27 septembre. Vous voyez, là, c'est 20 jours après le jugement. Bien, premièrement, ils n'ont pas eu tout de suite le 7. Ils l'ont eu peut-être comme moins, là, 6 jours après, là, 5-6 jours après. Là. Fait que, ils répliquent avec un reportage comme quoi la halle, qu'ils vont fermer la halle à Maskilongé. Il n'y a aucune raison. Vous allez voir dans mon autre. J'ai fait une vidéo. J'étais frère comme quoi la halle est très bonne. Il y a eu des rénovations en 2006. Les châssis, le revêtement extérieur, la couverture est bonne. Ils ont changé les lavabos, ils ont changé les urinoirs. Vous allez voir que aussi là-dedans, j'ai filmé la peinture, c'est très propre, les planchers sont bons. Il n'y a aucune raison à part que de couvrir le c'est sûr. C'est pour ça qu'ils veulent la défaire. Hein. C'est parce que là, avec que j'avance, ils seraient supposés de mettre une cantine comme c'était avant. Là. Pour pouvoir que ça soit payant, pour qu'on donne en redevance, pour faire de l'argent au trésor public. Là. T'sais, c'est toute cette fraude-là. T'sais, c'est ça la fraude des fonctionnaires. Fait que là, ils veulent la faire fermer parce que là, ils vont être pris là, avec que j'avance pour mettre une cantine. Puis là, ils l'ont enlevé pour l'enlever en plus en 2014. T'sais, c'est flagrant la fraude des fonctionnaires. En plus, je mets un envoi au ministre Laurent Lessard. Par email, comme quoi que je dénonce cette corruption. Fait que je vais en avoir d'autres. Je vais avoir la preuve et tout de. Vous avez ça. L'accusé de récession, j'ai eu après que j'ai mis ça. J'ai envoyé aussi au ministre de la Justice. Il va tout dénoncer. Après ça, les politiciens qui disent tout ce qui explique que Jean Charest est au courant de mon dossier de fraude des fonctionnaires dès le début de son mandat en 2003. En 2004, Gilles Robert, j'ai venu me menacer en 3 juin, puis m'assermenter le 10. Après ça, quand ils font ça, là, quand ils ont venu, quelques jours après, ils ont fait une réunion pour les pacotiers. En tout cas, je ne rentre pas tous les détails, c'est tout expliqué. En 2005, quand j'ai vu qu'il n'y a rien qui passait, j'ai envoyé une lettre, j'ai fait des pressions sur Gilles Boulay. Là, après ça, encore une fois, quand j'ai passé à Guylaine Marco, une journée ou deux avant dans l'écho, il parlait des pacotiers qui seraient supposés d'être faits. L'ont fait, je pense, juste en 2010. Ensuite, à mon argument de 30 à 50 % étant noir, Michel Lariendo, quand il était à ma présence avec Guylaine Marco, m'a dit que c'était pas grave, que les restaurants en faisaient. Ça ne m'a pas paru évident parce que les restaurants, les gouvernements, ils ont pogné, là, je pense, avec. Le logiciel pour. En tout cas, ça va passer dans les médias. En 2007, 2 jours avant la soumission du 10 janvier, une nouvelle diffusion chez HLN à l'effet qu'un pacotier va avoir le jour. Ça, c'est tout ça pour influencer. Ils servent les médias pour influencer les nouveaux soumissionnaires, comme moi, mettons, qui voulaient aller l'avoir, pour les donner à les petits copains, c'est plus facile. Comme moi, j'ai soumissionné. Fait que c'est pour ça que je les avais eus, là, avec mon 6 000 en redevance. Tout expliqué. En tout cas, bon, en tout cas, tout ça. Puis en bas, vous avez le MTQ 3VL de 97 en 2015, complaisance, fraude et corruption. Tout est expliqué par année, là. Si vous allez là-dessus, vous allez voir à 97. Toutes les années qu'il y a eu des soumissions, qu'est-ce qui s'est posé comme corruption? Ils ont donné des halles qui auraient dû refuser. Ils ont toujours fait ça. C'est ça qui est le fonctionnaire.